Hello tout le monde, comment allez-vous? Eh bien, je veux aujourd'hui vous montrer ou te montrer un exercice très 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 simple, mais qui fait beaucoup de bien et un exercice qui est à faire avec un peu de précaution. Si tu es typiquement quelqu'un qui prend toutes les responsabilités, qui les porte, les responsabilités qui sont à toi et aux autres sur tes épaules et qui a donc des épaules un peu tendues, comme la plupart des femmes en fait. Ça vient aussi, regarde déjà quand tu es assis ou quand tu es debout, comment tu te tiens. Si tu fermes ton plexus solaire, ouais, si tu fermes même un tout petit peu cet espace ici pour peut-être te protéger, hein, des émotions, les protéger, tu vas à ce moment-là avoir cette région du corps qui tombe un peu. Et en faisant ça, ben, si tu portes le poids de tes responsabilités là-dessus, bah, tu vas crisper ici. Ouais, donc c'est très simple ça. Et donc aujourd'hui, je veux te montrer un exercice comment perdre la tête. Si tu es typiquement quelqu'un qui a la contrôlite aiguë, peut-être même sans le savoir, hein, qui veut contrôler les choses, ça vient de la peur. Et la peur est toujours inconscient. Donc si tu sens que tu as besoin de contrôler les choses, à ce moment-là, cet exercice peut te faire du bien. Et donc, comme j'ai dit, à faire avec prudence. Je te le montre. Donc, je suis habillée comme ça parce que je viens de mon cours de mon atelier de Shandora. Nous avons travaillé sur l'énergie sauvage. Donc ici, tout simplement, tu vas te pencher un tout petit peu en avant. Tu vas relâcher ici. Et tu vas simplement la tête, laisser tomber la tête, te mettre comme ça. Je sais pas, on me voit en fait. On va te mettre comme ça ici. J'espère qu'on m'entend bien parce que pour une fois, je n'ai pas pris le micro. Juste te laisser pendre là, comme ça. Et donc, si tu dois réfléchir à une situation, à un problème, je t'invite à faire juste ça. Ici, ton inconscient, on va se dire qu'est-ce qu'elle fait? Drôle de chose, ta tête est en bas, tu regardes la vie d'une autre perspective. Et donc, tu vas peut-être avoir aussi d'autres solutions pour la question que tu te poses. Ça, c'est numéro un. Ça, c'est la partie complètement facile de l'exercice. L'autre partie est un peu plus compliquée. Je t'inviterai à mettre une musique, tu sais, une musique répétitive, des percussions, par exemple, chamaniques. Et alors, tu te mets ici comme ça. Un peu en plié, tu te penches un peu en avant, juste un peu. Tu vas laisser tomber ta tête, pendre la tête comme ça, et tu vas la balancer à gauche et à droite. Alors, ce qui est important dans le fait de balancer la tête à gauche et à droite, c'est que le mouvement vient de ton centre. Il vient d'ici. Il vient pas, ok, je contrôle tout, je fais comme truc et je pose ma tête comme ça. Oui, là, tu vas te faire vraiment mal, donc tu veux pas ça. Et pourquoi se pencher un peu en avant? Parce que si tu te penches un peu ici, tu libères déjà des tensions qu'il peut y avoir. Donc, le mouvement de fait de lancer l'attaque vient d'ici, il vient de ton centre. Autre chose dont tu as absolument besoin, parce que comme je te dis, fais attention avec ce mouvement, c'est que tu as besoin de t'ancrer et de sentir tes racines et de sentir cette sécurité de base. Ouais, donc fais cet exercice. Moi, j'ai une méditation guidée que tu peux chercher sur mon site web, méditation guidée de l'arbre, mais tu la trouves aussi facilement sur YouTube. Tu vas simplement te ancrer dans la terre-mère, ouais, sentir que tu es en sécurité, que tu es stable jusqu'ici, complètement stable et en sécurité. Tu peux plier un peu les genoux, te pencher un peu devant et ici te concentrer sur ça. Et à partir de ça, tu lances, si tu as des cheveux qui sont longs comme les miens, alors tu peux les utiliser pour faire une sorte de swing. Mais à partir de là et lancer. Et avec la musique qui est répétitive, donc si tu le fais pendant un certain temps, tu peux le faire juste comme ça. Tu peux aussi carrément rajouter les bras. Ouais, moi je t'invite à faire ça. Donc, prends la musique. Ancre-toi, super important. Sens-toi en sécurité. Sois bien ancré. Connecte-toi ici à ce centre et perds ta tête. Laisse tomber la tête. Si tu es dans une situation où tu penses de trop, où tu es naturellement quelqu'un qui pense de trop, tu peux faire ça pour
arrêter de penser. Parce que c'est sûr que quand tu vas être dans un truc comme ça, un petit moment, tu vas pas pouvoir commencer à penser et penser et penser. Ça va te vider ta tête. Et dans l'intention que tu vas mettre avant de commencer cet exercice, tu peux demander, je veux me vider la tête, je veux avoir la paix, je veux sentir ce centrage, je veux sentir ma connexion à la terre-mère, je veux sentir cette énergie sauvage qui m'habite et je veux simplement lâcher la tête. Et tu vas être très étonné des solutions que tu vas trouver et des nouvelles pensées qui vont nourrir ta tête quand tu fais ça. Donc, exercice numéro 1, simplement laisser pendre la tête et réfléchir dans cette position-là. C'est assez rigolo, mais ça marche. Et bien sinon, vraiment lancer. Et si tu as des nausées ou des vertiges, respecte-toi, tu peux faire cet exercice sur les genoux. Ouais, si tu as peur ou quelque chose, bien sûr, respecte tes limites et explore. Si tu as envie de rejoindre les ateliers de Chandora où nous travaillons sur ces thématiques-là, en sororité, tu es absolument la bienvenue. Regarde sur mon site web, clique et vois si tu veux participer et nous rejoindre dans les ateliers. Je te souhaite une chouette journée, une chouette soirée selon quand tu regardes cette vidéo. Fais cet exercice et dis-moi ce que ça fait pour toi. Mets une chouette musique et mets-moi un commentaire. Et ça me fait plaisir de lire l'effet de cet exercice sur ton overthinking, le trop penser. À très bientôt et bonne soirée. Ciao, ciao.